Salut la skatosphère, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, regardez avec qui on est. Le Flo. Le Flo qui est de passage à Barcelone, quelques jours de vacances, on peut dire ça. Grosse vacances, trop chill. Flo pour les Clermontois, du coup vous avez reconnu. Et pour les autres, et ben voilà, un pote de Clermont qui est de passage à la maison. Aujourd'hui, grosse session street. Ah, on va essayer, on va faire du mieux qu'on peut. Désolé pour la voix, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais mal à la gorge. C'était pas du tout une blague. Hier j'avais plus de voix, là ça va mieux. Je pense que ça va dégrader en vidéo, mais j'ai des pastilles. C'était pas du pipeau. C'était pas du pipeau. Et voilà, du coup on décolle. Magba, ça va chauffer sur les 5 petites marches de Magba. Et bah après les blocs, bam bam bam. Je vais récupérer sur la skatosphère un petit deck. On sait jamais, je suis un point d'alerte de cassage de deck. On a tout prévu. Ah, il a régalé, il a pris une petite planche sur le chemin. Du coup on est parti, petite escapade en train. Allez, trop bien. On s'arrête au Magba. C'est ça qui est bon. Regarde celle-là, gros. Elles sont belles, hein. C'est le spot, c'est ouf. Elles sont longues. Non, c'est pour toi, ça. Mais t'as celui-là aussi qui est fun. Par-dessus la barrière. Ah, ouais. C'est gauche. Allez, gros, c'est la première fois que tu viens. Bravo, hein. Première fois qu'on est au Magba sur la chaîne. En fait on était déjà passé une fois, on avait fait Badalona à Magba en skate cruising. Moi je suis pas un big fan du Magba parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est du car principalement, mais il y a quand même les escaliers là-bas, évidemment le ledge à la fin, les blocs derrière. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Flo est chaud du gap, il va nous régaler. Glisser gros, c'est un peu de liquide de l'or. Les marques. C'est de la savonnette, mec. Ça va. Alors, c'est le premier try. Ça va le faire. Elle va être charmée, gros. Il faut juste passer entre les dalles. Celle-là qui est cassée. Ouais, mais c'est pour ça. Et la barre cross. Tu vois? Ah, juste là. C'est celle-là. Go! Du coup, c'est pas d'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. 20-30 ans, il n'aura plus. À moi, et celui là. C'est où? J'ai dû mettre sur les pieds. Il était chambé. Allez, direct. Comment tu le sens, gros? Ah, Oli, ouais. Il flippe. Attention, si t'essayes pas. Alors, on le saura pas. On le saura pas. Qui a déjà fait des tricks sur ces blocs, les gars? Balancez les tricks, on veut savoir. Perso, j'ai pas fait grand chose. Flip, half cam, Oli back. Et Oli, c'est tout. Mais j'aimerais bien faire un backside, un triflip, ça serait cool. C'est
Mais aujourd'hui je suis mort moi. Et pour ceux qui ne savaient pas, avant il y avait un quatrième bloc ici. C'est un très gros gars. C'est l'instant histoire. C'est l'instant histoire. C'est l'instant, je vais vous mettre un petit extrait parce que en plus t'avais vu gros quand ils avaient refait le quatrième bloc et ils avaient fait le contest là. Ils avaient tout détruit les gars. C'est ouf. N'imp. On va mettre un extrait de Aurélien Giraud ce qu'il a mis dessus. Backside flip 3-6 non? Ouais. Je pense. Mais du il n'y a pas que Giraud, il y a eu vraiment des gros tricks. À mon avis, faut pas aller vite quoi. Comme ça descend un peu leur plaque, ça tasse moins je trouve. Déjà, tranquille voir d'un. En fait, c'est juste te dire quand tu skates sur un spot mythique, tu vois? C'est que t'es là, quand tu regardes en vidéo, t'as toujours l'impression que c'est trop petit. T'as des mecs qui font des switches, ils font du switch, et tu te rends jamais compte. Et en fait, quand toi t'es devant, tu dis pas que t'as un niveau, tu dis juste j'en suis capable, et c'est quand t'es devant, tu flippes. T'es là, tu fais c'est clair. Ah, vas-y, je fais pas. Première impression, ça va, c'est impressionnant, mais il va falloir de la déter. Ah, c'est bien, comme ça tu prends un peu la température. Ouais, de ouf. Le premier, c'est toujours le plus. T'es allé loin, gros. Ouais, t'es allé pas là. Ouais, peut-être un peu trop loin. Mais en vrai, t'es quand même obligé parce que tu te sens un peu mieux, quoi. Et après, balancer un peu ta deck, tu vois. C'est un peu de karaté. Karaté kill. Ça arrive là, pile poil au niveau de la skatosphère, à croire que c'était fait exprès, tu vois. Celui-ci, sûr, il le plaque. Vas-y, toi. Ça casse les talons, merci. Ça casse les talons, mon gars. Écoutez bien ce qu'il va dire. Ah, c'est pour être un truc con, c'est pour les Barcelonais. Si, ouais, si, regarde, un kicker pour remonter, tu es tiré par une moto ou une connerie, tu vois, avec un élastique. Là, imagine le remonter. Parce qu'en vrai, c'est déjà remonté. Mais, je veux dire, un bon kicker qui arrive là. Et même pour redescendre aussi dans l'eau. Ouais, mais t'imagines, mais il pourrait y avoir un petit clavé parce qu'il y en a un qui skate beaucoup à Clermont qui s'appelle Nathan Limousin qui adore remonter les marches. S'il y en a qui ont la ref. Bien sûr, le N. C'est pour ça qu'il est très important de prendre deux t-shirts. Tu ne l'as pas respecté. Mais... il a récupéré toutes les saletés de Magba. Allez, ma gueule, ça rentre. Torse nu, il le met direct. Allez, gros. C'est ouf, alors que c'est que un holly. Et... ah ouais, et ce qui est ouf aussi, c'est que t'as largement fait pire. Mais bien sûr, c'est ça qui est ouf. Je sais pas pourquoi. Ah, il le faut. Oh! Gracias! Oh là là! Pouh! Gracias! Quand t'as 36 ans, t'as pas les mêmes appréhensions et t'as pas les mêmes bails en fait. T'as pas les mêmes. Enfin, tu stresses un peu donc faut être confiant. Mais attention, hein, le skateboard c'est pas. Le skateboard n'a pas d'âge. Le skateboard n'a pas d'âge et c'est une passion. Ouais. Tant que tu peux skater, skate. Et régale-toi, c'est le plus beau sport du monde. Les gars, c'était une petite bataille là, c'est du plaisir. Quand ça rentre là, ah, complètement. Une sensation. Tu penses qu'il y a autre chose dessus? Bah franchement, il y a peut-être moyen, je peux lancer un heel flip pour vraiment avoir le. On veut voir la sensation. Bon, après. Si je. Parce que étant donné que je veux pas me laisser. Je ouais, là, mais normal. Bon. Mais en vrai. Ça peut partir si je le sens et que ça part direct. Sinon une autre fois ou ailleurs. Ouais, après on pourra laisser ailleurs parce qu'après si on a d'autres spots, l'idée c'est de faire d'autres spots, mais déjà se donner un truc. Et ce qui est fou c'est de se dire, comme je disais tout à l'heure, tu te rends compte en vidéo, t'as l'impression que c'est pas haut. Grave. Et franchement, là pour tous ceux qui ont fait des tricks de ouf dessus, c'est un immense respect parce que la prise d'élan est magnifique. Mais juste là, t'as
la hauteur, mais en fait vu que c'est un peu en pente, c'est agréable, mais je dirais sur ton skate la stabilité est pas la même quand tu replaques en descente. En fait le nombre d'essais tu peux le voir au t-shirt en fait. À la couleur du t-shirt. À la couleur du t-shirt. Tu vois ? Mission avortée sur les blocs. Moi je me suis dégonflé pour le flip aujourd'hui. Ah, Flo, j'avoue. Flo, mais le holy bonne bataille. Ouais, c'était bonne fat. Bataille, c'était fat. Franchement, c'est des bons gros blocs et je suis quand même content. Tu vois. Et il est pas tard en plus, il est quoi ? Il est 10h là maintenant ? Ouais, 10h. C'était une petite session matinale tranquille. Il y a ce petit spot aussi qui est fun. Juste on va le goûter. C'est quoi ça ? Petite œuvre d'art ? C'est une toile. Ah, regarde. On dirait un truc maudit, tu sais. Mais non, regarde. Arrête, gros, tu vas avoir une malédiction. Mais non, regarde. Il y a un petit mot, regarde. Toi qui as découvert cette toile, tu as 5 secondes pour liker la vidéo. Sinon, tu seras maudit pendant 100 ans. Non, le mec a des stickers. Trop ouf. C'est trop bien, ça. Ouais, oh, bon, tu vas le ramener ? Bah, bien sûr. C'est la bonne idée, ce sera pour toi. Ouais, faut que tu passes un poste. Bah, ouais, mais faut le poster. Allez! Mais c'est la super idée parce que franchement c'est pas bête du tout. Regarde l'artiste qui veut se faire voir ou enfin connaître. Ouais, bah c'est qu'elle a une ordre de cacher. Les gars, on part à la recherche de tous les cadres. On veut les 10. On veut tous les trucs. C'est fou. Tu as plus que 5 minutes à vivre. On peut prendre un stickers. Moi déjà, je le mettrai sur deck ou autre. On peut aussi également le remettre. Et bah que les autres, si ça plaît à d'autres gens. Tu vois, et aussi vu qu'il y a des stickers et qu'il y a le petit mot, bah on va pas les priver eux d'une chasse au trésor, tu vois. La piraterie s'arrête jamais. Ouais, c'est ça. C'est la chasse au trésor. On va suivre après la page. Ouais. Et on va voir si des gens trouvent notre cachette. Exactement, ça peut et ça sera nous qui l'aurons caché. Mais où ? Peut-être qu'il faut que ça soit dans le MacBa, j'imagine. Dans un arbre. Là, vraiment en pleine vue. Sur une fenêtre là-bas ? Dans les pots de fleurs. Dans les pots de fleurs. On a décidé de reposer la toile. Oh, il est bon. On va coller un sticker à la skatosphère sur le machin. C'est la collab. Attends, on met quoi ? Ma carte bancaire, c'est ça, on a dit ? Non, pas la carte bancaire. L'angoisse. Prenez ce que vous voulez. C'est une vidéo promotion de la skatosphère aujourd'hui. Mais oui, mais c'est ça en fait. Regarde, donc là on met un petit Barcelona skateboarding. Et là on met un petit sticker sur la skatosphère. On referme. Et là on va courir. Studio Infinity. Allez, on quitte les blocs, direction Badalona. On va finir avec une petite session Pira, parce que nous on kiffe la Pira. Exactement. On retrouvera jamais celle de Marco. Ouais. Pour ceux qui connaissent. Exactement. Meilleure Pira du monde. Grave. On a laissé le tableau là-bas. Voilà. On verra si on arrive à le croiser sur Insta ou quoi. Non mais en switch-il, mec, cap de là. Ah non, en switch-il. Top snap si tu nous regardes, regarde la skatosphère, mec. Je fais 1m86. J'ai frappé plus, mais ouf, c'est ouf, hein. Mais d'où il y a ça dans une ville ? Qu'elle aille une arête, chaud. Ok, c'est la rouge qui doit se skater. Ah ouais, c'est incliné. Mais c'est cool. Wouah. Qu'est-ce que t'en penses ? Wouah, c'est incliné. Hein. Mais je pense que c'est ça qui se skate surtout. Gros. Ah ouais, c'est ce celui-là qui est prenable. Hola, que tal ? Hola, que tal ? Hey. Alors, est-ce que c'est bon ? C'est bon ? Ouais, c'est trop bon. Que tu veux. Allez. Oh. Ah mais c'est que du bon. T'es mal arrête. Pas peur, Fred. Thank you.
3. À là. Tes impressions sur le spot? Si t'avais un adjectif pour ce spot. Majestueux. En vrai, les pyramides comme ça. Pardon. Les sacrées pyramides comme ça. Voilà. Pourquoi dans la rue comme ça? Qui a pensé à ça? Les architectes, ouais. Il y a des chances. Ou un petit artiste. Ah, t'es fou, j'ai plus de jambes. Écrasé, je suis écrasé aussi. Bon les potos, qu'est-ce que vous avez pensé de ce spot? Nous on a bien kiffé. Nous on finit le street pour aujourd'hui. Là on va rentrer à la maison, petite plage. Voilà, petite plage, ouais, tranquille. Petite plage. Histoire de profiter. Ouais, exactement. Et ce soir, on vous fait peut-être une petite session Agora. Agora sera bien. S'il n'y a pas session Agora ce soir, ça sera Bobby là demain matin. Mais on vous met ça en fin de vidéo. On va manger quoi? On sait pas. On sait pas ce qu'on va manger, mais on va quand même vous mettre le repas ici. On est un peu en vlog ici, hein, donc vous aurez droit au repas, à la plage, à tout ce qu'il faut. On part du coup de ce spot, mais juste pour vous dire, ici vous avez l'arête en haut, donc pour passer au-dessus de, je sais pas, un garage à vélo. Ouais, un garage à vélo. Je sais pas ce que c'est. C'est un spot pour Tito, ça. C'est un spot pour Tito. Ça, c'est le flow avec pour Tito. Grave. Et du coup, ici, il y en a une autre arête à prendre. Donc on voit que ça a été waxé. Enfin bon, vous avez les arêtes. Du coup, vous avez dit qu'on ferait peut-être une session Skate Agora ou Bobby là hier après. Au final, on a fait juste plage. Bah, plage, chill. Et du coup, on vous récupère le lendemain pour Skate Agora. Voilà, exactement. Chillos. Et on aime skater le matin très tôt. Ouais, 8h30, on a dit. Ouais, c'est ça. 8h30, donc on décolle à Skate Agora. Regardez ce beau soleil. Il flippe sur la barrière, les amis. Allez, bon! C'est juste, elle a tapé et bam! On devait pas te mettre un gage? Peut-être. Hier, on a dit qu'on devait mettre des petits gages. Donc, s'il passe pas la barrière tout de suite, obligé de faire au moins un try sur les marches. Je pense qu'il peut les mettre direct, donc... J'ai le gage. T'as le gage. Tu veux le faire? Vas-y. Les marches, c'est sûr qu'il le fait, mais c'est la première fois qu'il vient à Agora, donc il les a jamais faites encore. Mais sûr que tu les fais, ça fait largement pire. Ouais, ça fait largement pire. Ah, elles sont longues quand même. Elles sont pas hautes, mais elles sont longues. Bon, il a eu son gage. C'était un try sur les marches. Il a dit, je mets le heel et après j'y retourne. Un monstre. Ah,
même dire légendaire pour Louis. Ah, check-moi cette caméra. Pouh. J'avais dit, c'est la dernière chance. Damn, il était tellement beau, gros. Damn. Je suis pas technique, je fais que du gap. Je suis vieux, mais je pense que j'ai encore des os. Moi, je dis, les marches sont un peu longues. Bah, on a eu le gage tout à l'heure où t'as eu un travail. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, il faut que je les fasse. Donc maintenant, t'es obligé. Ouais, je pense que après, c'est obligatoire. Ouais, j'ai cru que ça y allait first try là. Non, surtout rien de la vidéo. Le toucher en bas. Le pied droit. T'es fait mal? J'ai peur. C'est que j'allais pas assez vite. Amigos, amigos, fin de session. T'as kiffé le parc, gros? Ouais, première fois à Agora. Hein. Première fois à Agora, pas deuxième parce que. Ouais, jour, on a fait un petit vendredi soir. On a fait une petite halte vendredi soir. Mais il faisait nuit. Ah, tiens, si on mettra un petit footage de la nuit. Ah oui, il y avait parce un petit footage. On est venu de nuit. Ouais, et après, un petit apéro sangria. Petit apéro sangria, tranquillement. Voilà. À consommer avec modération, toujours. Exactement, toujours. Et ouais, bah le parc est fou, quoi. Le parc est skate super beau. Agora, skate Agora. Un emplacement. Vous connaissez, mais pour ceux qui sont peut-être nouveaux ou qui connaissent pas, il y a la plage ici, le pont, on traverse, on est à la plage. Idyllique. Voilà. Je pense qu'on va terminer ce petit... c'était un vlog au final, hein? Ouais, c'est ça, vlog. Exactement. Encore désolé pour la voix. Franchement, ça va être 3 jours juste de montage. Je vais m'interdire de faire du skate. En vrai, non, je veux pas, gros. Bon, les gars, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Pourquoi? Session Street, skatepark ou autre. Il y a plein de choses sur la chaîne. Et d'ici là, bah, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session. Bonne journée. Ciao, ciao.